Suban Brasta. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playlist de l'épisode de Far Cry Primal, chers amis, et on fait continuer pour voir la suite de l'histoire. Et c'est parti. Ça n'a pas changé jusque-là. C'est la poussée de prix, celle-là. Ok. La dernière fois, nous avions lancé une sagaie en plein milieu de la tête de nos amis. On va voir s'ils se sentent mieux maintenant. Les voyageurs ninja accrochent parfois des sacs de matériel dans les hautes branches des arbres. Oui, on connaît déjà. Pensez à lever les yeux pour trouver de la nourriture et des ressources pour la confection. Ce qui est marrant avec confection, c'est que dans confection, il y a fection. Bref, alors hop, on peut pas en prendre. Et si nous n'avons rien. Ok. Dans K, on a confection, non compétence. Confection dans ces villages. Village, je voulais aller voir. Là, c'est améliorer au maximum. Poudre de cailloux du sud, d'accord, c'est ça qui nous intéresserait le plus pour le moment. C'est de la poudre de cailloux du sud. Et bien écoutez, on va aller au sud alors. On va aller au sud. Est-ce qu'on a une mission au sud, déjà, de base? Est-ce qu'on peut aller voir là-dessus si on a une mission au sud? On a lui à aller choper. On a un avant-poste et un bûcher. Et apparemment, Urki est revenu. Urki est revenu. Ça peut être intéressant d'aller le voir. Ensuite, on fait l'avant-poste et ensuite le feu de camp. C'est parti. On y va. Waouh. Hurle pas comme ça, ça me fait presque peur. Presque. Hop, notre belle sagaie. Ça, c'est le fameux tertre. Le fameux tertre. Avec normalement des sacs par endroit. Enflammer la sagaie. Bah, ça m'intéresse pas de l'enflammer la sagaie. Bref, donc c'est par là. Hop. Plus je passe, pas ma faute. Là, il y a de la poudre de roc du sud. Ça, il y en a un trouvé. Donc, on sait que ça correspond à l'argile. D'accord. Parfait. Parfait. Ça correspond à l'argile. D'accord. Donc, il aurait fallu qu'on suive l'eau. Dommage. Qu'est-ce que c'est devant nous? C'est un bouquetin. C'est un bouquetin. Ici. Hop. Il me semble qu'on va avoir de quoi monter de toute façon. Ah, il y a déjà des gens qui ont récupéré la pierre. Et limite, on va passer par là. Hop, vas-y, grimpe. Hop. Voilà. Crac, ça c'est fait. Bon. Nous sommes à quelques dizaines de mètres de notre ami. Le malade mental. Alors. Quoi cette musique? Calmez-vous. Se défendre contre les ours. Urki change d'odeur. Oh. Vas-y. Va le bouffer. What the fuck? Mais je t'ai rien fait, moi. Oh la gueule! Qu'est-ce qu'il me veut, ce rhino? Putain, il m'a pété mon... Tiens! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tiens, bouffe! J'ai rien fait au rhino, moi.
Vas-y, va attaquer le machin là-bas. Oh la gueule! Rhino les nœuds. Mais t'es sérieux toi? J'ai récupéré ma sagaie? Même pas. Est-ce que je peux récupérer ma sagaie s'il vous plaît? Non? Génial, mieux tant mieux. Viens voir papa. Putain, je suis encore poursuivi par un truc. Tiens, dégage. Putain. Touche. La zone elle est dangereuse hein. Oh la gueule. Oh là là, la zone est carrément dangereuse hein. Bon, on va aller là. Hop, par où? C'est par là. Tiens, remange un coup. Pas de viande. Carrément besoin de viande. Parfait. Non, reste là. Attends, je descends avec le grappin. Le grappin. Le grappin est notre maître. Il choisit ceux qui partent de ceux qui restent. Hop les. Crac. Hop. Ça hurle encore hein. Hop. Il y a des bébêtes un peu partout d'ailleurs. Il y a des bébêtes un peu partout d'ailleurs. Dégage. Qu'est-ce qu'il a buté? Il a buté un autre Isila ou quoi? Non mais le bouffe pas. Je vois encore des choses là-bas. Des choses qui ne me rassurent pas. Putain, il tue des ninjas. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, 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 attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un lion des cavernes peut-être? Peut-être un lion des cavernes. Ça doit être un lion des cavernes, tant pis. On fuit. Oh merde, interférer. Putain, des Zila, la con, eh. Ta sagaie, tu sais où tu peux te la carrer? Fais chier. Hop, merci madame. J'ai bien madame, hein. Madame. Encore une madame. Il y a madame partout. Dans le sable. Hop, voilà. Bah, c'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Pourquoi pas. On y va. On va aller chercher nos ennemis quand même, merde. Ah bah le blas, le camp. D'accord. Hop les. On en prend plein la poire, hein, littéralement. Dans le coin. Le coup est extrêmement dangereux. Oh la gueule. Oh putain. Putain. Crevure. Va attaquer celui-là. Oh. D'accord. On n'avance pas, chers amis. Hein. C'est bourré d'Isila dans le coin. Mes flèches, s'il vous plaît. Merci. Pas ce que j'ai tué. Une Isila. Oh là là.
l'horreur de la zone, quoi. J'ai bien choisi le bon arc en plus, oui, c'est bon. Il fait des gros dégâts. Mais oh la gueule! Vas-y, mange. Putain! Et on n'est pas un instant tranquille. Tiens, mange. Que je peux te monter sur le dos, s'il te plaît. Merci. On y retourne. Oh non! Oh non! Pas encore! Hop, voilà. Pas le temps de me tirer dessus. Permettez que je récupère mes flèches. Je l'ai entendu, mais je le vois plus. Merde, j'ai failli l'attaquer. Je vais rien dire, mais. J'ai bien failli. Ok, bon. C'est fait, ça fait un petit peu d'XP supplémentaire. Prendre vraiment la quantité de d'Izzy là dans le coin, c'est vraiment impressionnant. J'aime pas ça. C'est un allié. Bien, une flèche dans le cul. Hop, ça prendra. J'ai pas envie de passer par là. Attendez, 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 attendez. Poudre de roc du sud. Là-bas, il y a un croco. Hop les. Y'a apparemment pas un petit. Hop. Il va me falloir mon ours pour passer. Parce que j'ai pas envie de passer et de prendre des risques. Hop. Question. L'ours là, il est montable? Chevauchable? Non. Apparemment non. Dommage. J'aurais bien aimé. Bah oui, bah tu te retrouves de l'autre côté de la flotte, c'est con. Ah oui, mais j'avais pas un bug au niveau de l'ours. Ah si, c'est bon, il vient. Je croyais qu'il venait pas dans les précédentes. J'ai cru voir du rouge. Je me suis peut-être trompé. Peut-être. Je ne sais pas, je trouve ça bizarre. Quelques crocos. Hop. J'entends un jaguar dans le fond. Bon moment, ça se passe plutôt bien. Allez, vas-y. Poudre de roc du sud, ça va plus vite comme ça. Hop, le camp est là. Il va falloir une bête un peu plus. Un peu plus silencieuse. Le camp est à 100 mètres. On va se planquer derrière les cailloux là-bas. Avant-poste du marais Nada. Ok.
Alors. Effectivement, ça commence à faire du monde. Effectivement, ça commence à faire du monde. Et je l'admets, ça ne me plaît pas. Il est planqué de tout le monde. Hop. Personne remarquera son décès. Hop. Si on fait flamber quelques bâtiments, personne ne le remarquera non plus. Hop. Ok, ils sont en train de craber de partout. On va pouvoir rappeler la chouette. Hop. Allez voir ce qu'on a fait. Pas grand chose finalement. J'aurais espéré que ce soit un peu plus. Hop. Non! Des renforts étaient appelés, bien sûr. Le mec, il avait la voix qui porte. Oh! Ok! Bonne idée, vas-y relève. Tiens! Tiens! Aïe! Oh la vache! Ils m'ont eu! Ok. Ok, ok. Bah je repop là? Bon bah d'accord. Pourquoi pas? Est-ce que je repop avec mon équipement? Ah bah non. C'était trop en demander. Voilà. Donc, on reprend. Alors. Alors, alors. Hmm.
Dégage. Ok. Toujours dans le silence total. On recommence l'incendie des maisons. Hop. Pourquoi je peux pas me pousser? Parce qu'il y a mon chat derrière. Vos maisons brûlent et vous dites rien? C'est cool quand même. Et quand j'avais fait ça, que j'avais fait une erreur. Normalement. Donc, il y a bel et bien quelqu'un qui me cherche. Quel con. Allez. Ok, tu veux jouer à ça? Meurs! Allez! Bon, on va appeler une grosse bébête. Tacle! Mais tu vas crever, oui. Ok, on est dans la merde. Aïe. Pas tout à fait d'accord. Ok. Mais meurs, mon dieu! Putain, c'est lui qui m'envoie des cailloux de là-bas? Non! Tiens! Est-ce que t'as déjà goûté à tes propres flammes? Non. Putain. Faut pas exagérer non plus. Il m'envoie des cailloux de l'intérieur, de l'extérieur. Ah non, faut pas exagérer. Dégage. Je vais rappeler mon tigre à dents de sabre. Bouffe-le.
Putain, mais... Toi, avec tes putains de cailloux. Dégage. Hop, voilà, problème résolu. L'endroit de merde. Ouh. Le gros endroit de merde. Le coup des cailloux qui passent travers les maisons, je comprends pas. Quoi qu'il en soit. On a des cadavres à aller fouiller. Alors, les mecs. C'est quoi, c'est comme bestiole? Bon, d'accord, on trouve une viande pour toute la bestiole. C'est génial. Un petit ex. Vas-y, va chercher la bestiole. Allez, on fouille. Hop. Yo les gens. Bien joué. Alors, où est-ce que c'est le truc qu'il faut que je fouille? Là. Hop. Cherchez. Parfait. Il y en a un par là aussi. J'ai essayé de s'enfuir. C'est mort. Hop. Voilà. Là je récupère tout parce qu'avec la quantité d'objets que j'ai perdu sur les deux trails, je peux pas me permettre de ne pas récupérer un maximum de choses. Seulement 20 flèches, vous voyez, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Faudra regarder s'ils ont pas des... Oh là là, puis c'est sombre dans leur... Ah bah c'est parce que j'ai tout brûlé. Oui, effectivement. Regardez s'ils ont pas quelques flèches. Hop. J'aurais rien contre quelques flèches. Je n'aurais rien contre quelques flèches, mais apparemment je peux me les carrer dans le pion. Je peux me les carrer très profond dans le fion. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il y avait par là? On plein des flèches, d'accord. D'accord, d'accord. Bon. Bah tant pis, on va aller fouiller un autre camp pour voir si on peut pas récupérer plus de choses. Alors où qu'il est ce fameux camp? Ici. On se rapproche de l'Isila qui est ici apparemment. De notre ami, notre futur ami Isila, ce qui est rigolo, parce qu'il est habillé comme un Isila. Alors qu'on cherche des Ouija normalement. Là-bas. Vous avez vu ça? Hop. Je me suis amélioré. Putain, quand on voit l'XP qui rapporte cela par contre, ça met dans l'ambiance. Par contre, j'aimerais bien récupérer des flèches sur les archers. Ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment cool. Parce que là, je suis à combien de bois dur? Ah oh, voilà, j'ai plus de bois. Donc faut qu'on récupère un maximum de bois maintenant. T'embête pas avec lui, t'embête pas avec lui. Hop. Bois. Encore du bois. Non, c'est un ninja. Je suis désolé, ça me gratte l'œil, voilà. Fallait que je me le retourne, tout ça. J'espère pour toi que t'es tout seul.
Eh ben non, t'as rien vu. Ah oh, merde, la flèche gâchée. Ah mais merde, j'appuie sur R pourtant. Fais chier, je gâche des flèches pour rien. Elles me coûtent cher ces flèches. Hop. Il y a une bestiole dans le coin, effectivement. Un jaguar noir. C'est un jaguar noir, chers amis. Je crois. Jaguar noir, ouais, parfait. Oh la gueule, on a du bol. On a du bol. Alors la différence, résistant au feu et plus fort. Tant mieux. Mais il est moins beau, je trouve, hein. Alors mon pote, t'es un gros chaton. C'est un gros chaton. D'accord, faut que je monte. Je déteste faire ça. Ok, on commence par ça déjà. Et ils vont comprendre qu'il y a des gens qui sont là pour eux. Salut. Hop. Parfait. Hop. Voilà. Ça c'est un gros ça. Tiens, derrière la nuque. Tiens, de deux. Et de trois. Oh la vache. Tiens, bouffe. C'est quoi même? Oh la vache, la portée qu'il a avec son machin. Allez, dans les genoux. Dans les genoux. Putain, dans les genoux. Comment je peux faire pour le tuer, ce truc-là? Alors, tiens, t'as bien fait de lever les bras. Je crois que c'est quand ils lèvent les bras, ils sont complètement vulnérables. Oh là là, c'est des saloperies ces gros trucs. C'est véritablement des saloperies. Oh. Bon. Bon bon bon. Wouah. Le gros tas de bousins que ce sont ces saloperies quoi. Il faudra que j'aille voir comment. Quels sont les conseils que donne le jeu quoi. Wouah. La grosse grosse dèche. Oh, le nombre de viande que j'ai dû bouffer. Pierre du Sud, d'accord. Ok, peau de lion noir rare, d'accord. Hop, et ici. Wouh. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode en tout cas, je pense. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, ne pas trop lien en bas de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et n'oubliez pas de cliquer dans le descriptif de l'épisode de mon partenaire Gamespad.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Merci à eux, merci à vous. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. Salut les gens, j'ai déjà dit deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, dix fois, huit fois, neuf fois.